Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi écoutez, ça va super, même plus que très bien. On se retrouve pour une ouverture très très spéciale les amis, une ouverture de Booster Pokémon Johto. Donc des TV Animation Édition qui datent de 2001. Donc ce sont des boosters ultra rares les amis, qui ne sont quasi introuvables sur internet, en ouverture sur YouTube. Donc ça fait vraiment plaisir d'en avoir. Je remercie infiniment, infiniment 444 Merci Lago, donc mon ami Thomas, Thomas qui me sauve beaucoup, me trouve des superbes affaires, me trouve des super boosters, et ça depuis presque un an maintenant. Donc merci à toi Thomas, t'es vraiment une personne magnifique, t'es un ami en or, je le dirai jamais assez. Et en plus de tout ça, Thomas m'a offert un booster Appel des légendes français avec Deoxys. Donc là quand j'ai reçu ça, j'ai juste crié de joie, c'était simplement dingue. Il ira dans ma vitrine à booster, Deoxys, donc c'est stylé. Voilà, donc merci une nouvelle fois Thomas. Et donc du coup les amis, bah écoutez, des magnifiques boosters ultra rares qui datent de 2001 avec Érissandre. Waouh! En plus ils sont super beaux les amis. Il y a du bleu et tout, c'est super classe. Donc ce sont des boosters tops. Donc des cartes tops. Hein. Vous allez voir que je vais en ouvrir, mais tout le monde en a un peu eu de ces cartes-là. Les boosters Kaminus et les boosters G1 mignon. Voilà. Donc franchement les amis, moi mon préféré, sans vous mentir, c'est Kaminus. Je trouve tellement stylé, tellement stylé. Donc les amis, j'espère qu'on va avoir la pioche que je veux. C'est une carte assez spéciale, on verra bien. Et donc du coup les amis, je vous propose de commencer par mes boosters préférés, les Kaminus. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu les amis, ça me ferait super plaisir. Donc le dos d'un petit booster, donc c'est écrit en plusieurs langues. Donc en français, collectionne toutes les 70 cartes des Pokémon. Ok, super français, plus 70 cartes métalliques. Ok, donc il y a des superbes cartes métalliques à l'intérieur. En plus les boosters ils sont beaux, ils claquent, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti les amis. Ouh là là. Ok, allez, on l'ouvre bien, en tout cas je l'espère. Oh, what? Regardez ça! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon dieu! Ok. Alors. Bon bah je l'ai mal ouvert. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave les amis. Alors. Attention, attention, attention. J'ai pas envie de les abîmer. Please, 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 please. Voilà. Donc les amis, écoutez, ça, à mon avis, ça va être le booster test. Puisqu'il y a des cartes de tous les côtés. Je ne sais pas du tout où mettre la tête. Enfin, où donner de la tête. Donc on va commencer tout de suite avec un ou le out out à la rescousse. Ok, super out out à la rescousse. Je suis super out out. Ok, débarre. Ok. Simulard numéro 185. Ok. C'est des Pokémon qu'on voit plus trop ça. Donc, à chaque fois, il va y avoir deux illustrations. Donc ça va être. Ah, viens là petit. Alors ça c'est super sympa, en fait c'est des cartes qui racontent une histoire à la rescousse de Serfos. Alors, ça c'est des petits épisodes à la télé. Donc n'hésitez pas à lire. Voilà. Je vais vous laisser lire les amis. Donc Simulard également, il y avait sa description. Voilà. N'hésitez pas à faire des petites pauses, hein, c'est super sympa. Hop, la description pour Oot Oot. Donc là, c'est Marest. Quagsire en vue. Ok. Bon bah des fois ça me rappelle des petits souvenirs et franchement ça fait plaisir les amis. Ça c'est ce qui rappelle votre enfance et c'est super classe. Alors c'est sympa, moi je lirai tout ça hors vidéo. Pour pas perdre de temps les amis. Alors. Oh! Waouh! Super! Un Pikachu qui se lave les dents, c'est énorme! C'est énorme, mon dieu. Donc là, après à mon avis, ça va être une carte puzzle. Stylé, franchement stylé. La carte métallique qui n'est pas encore là. Le troupeau de Dunphan. Donc là, ça va être Dunphan. Ah, c'est stylé, les amis. Et on finit tout de suite avec la première carte métallique. Waouh, comment c'est magnifique une carte métallique. Oh mon dieu. Tissage d'une toile contre les voleurs. Ok. Regardez-moi ça les amis, c'est trop beau une carte métallique. Ça ne rentre pas dans un protège-carte malheureusement, peut-être que si. Oh, c'est trop beau, mon dieu, est-ce que ça rentre dans un protège-carte? Allez mon gars, rentre dans le protège-carte. Oh nickel, 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 nickel. Ah c'est tellement beau. Oh c'est tellement beau les amis. Waouh! Ah ouais, ça envoie du lourd, franchement c'est énorme, c'est énorme. Allez, deuxième booster. Ah les amis, c'est top. Franchement c'est top. Oh là là, c'est des magnifiques cartes à l'intérieur. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau, donc. Attendez, alors, pour pas se spoil, comment on va faire tout ça? C'est cette carte-là qu'on va faire comme ça.
Voilà, on n'a rien vu, on n'a rien vu, je n'ai rien vu. Nous avons comme première carte de Togepi. Donc Togepi, voilà. Donc après, il va y avoir l'image de Togepi. Stylé, stylé, stylé. Lugia. Ah, Lugia, je crois qu'on peut. C'est celle-là que Thomas me dit qui est une carte très rare. Comment ça? Enfin, pas en cristal, mais en brillant, là. Ok, Lugia. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir en carte. Yes! Yes, les amis, je suis content. Yes! On a Lugia. Ça fait trop plaisir. Ça fait tellement plaisir. Yes! Donc, la description de Lugia. L'un des Pokémon les plus gros et plus difficiles à apercevoir. Donc là, on a qui? Beach? Butch? On a Butch. On a Butch. Ok, Butch. Je sais pas qui c'est, je me rappelle plus de ce gars. Ok, hop. Essayez de bien mettre le texte pour que vous voyez bien le petit truc. Est-ce un Donphan? Non, 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 c'est pas un Donphan. Non, 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 non. Voilà. Donc là, on a une pièce de puzzle. Ok, on a du puzzle de tous les côtés. Ça, il va le puzzle. Est-ce qu'on a la carte brillante en dessous? Toujours pas Donphan? Donphan, on va à la description de Donphan. Pokémon type sol est effrayant à voir avec sa peau rugueuse et dure et ses longues défenses pointues. Pumba. Alors, il y a la carte en dessous. On a Arbok, capture Décoxy. Alors, les amis, je vous promets que je ne regarde pas. Ah, je peux pas regarder derrière. On va la jouer comme ça pour pas voir. Nickel. Donc, capture Décoxy. Et attention. Out, 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 out. Oh, c'est stylé. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est super beau. Out, out. Oh, super. Super, super. Oh mon dieu, deuxième protège-carte. Donc ça, ce sont des cartes vraiment hyper rares, les amis. Oh, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, les amis. Elle est trop belle. Yes. Ah, c'est trop cool. C'est trop, trop bien. Sérieux, quoi. Waouh. Ah, c'est des boosters qu'on voit pas souvent qui font plaisir, les amis, ça. Ah, c'est top. C'est top. C'est top. C'est vrai. Allez, les boosters top, c'est top, lol. Ok. Allez, il nous reste 4 boosters. Donc, je prends vraiment mon temps, les amis. C'est des boosters qu'à mon avis, je ne retrouverai pas. Voilà. Je prends vraiment mon temps. On est là, on est vendredi. Tout va bien. C'est le début du week-end. On prend notre temps. Et les boosters résistent. S'ils résistent, c'est-à-dire qu'il y a une bonne carte à l'intérieur. Ok. Donc, la carte, ça serait Lugia, on va dire cristal. Hein. On va les appeler cristal. Mais c'est pas vrai, ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'il fait, ce booster. What? Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est tellement vieux que ça se désagrège, quoi. Ah, les amis épiques. Ah, c'est épique. Voilà. Ah là là. Donc. Ouh là là. Faut pas que je me spoil la cristal, moi, voyons. Attention. Comment on va se la faire? Attendez, attendez, attendez. Et c'est parti. Hop là. Voilà, nickel, nickel, nickel. On n'a rien vu. L'infirmière. L'euphorie. Stylé, avec petit pierre dessus. Alors, voilà. Ah, c'est stylé, j'ai hâte de tout lire. Ça va me rappeler des beaux épisodes de Pokémon quand j'étais petit. Granivol! Pokémon qu'on voit plus non plus, c'est dommage. La carte de Granivol, les amis. Puis les cartes sont vraiment solides, c'est de la bonne qualité. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je fais ça fait plus, n'importe quoi. L'attaque groupée de Jolifleur, stylé. C'est stylé, c'est trop stylé. On voit un Ampiflore également. En plus, on sait que des bons Pokémon, quoi. Donc là, on a une pièce de puzzle. Ah non, c'est la liste des tops. Mais alors c'est de 152. Oh là là. Alors il y a Snap 1 jusqu'à Snap 27. Oh là 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 là. Bon, n'hésitez pas à voir la petite liste. C'est qu'une partie de la liste. Une pièce de puzzle, malheureusement, qu'on a déjà eu. Donphan qu'on a déjà eu. Captain de Coxy qu'on a déjà eu. Et est-ce que c'est la brillante en dessous? Allez les amis. On se la fait ralenti. Et attention les amis, c'est parti. Eliatron. Oh my god. Oh, waouh, c'est super. À chaque fois, je pète un câble. À chaque fois, je vois une carte juste magnifique. On peut voir la caméra qui est tellement ça brille. Oh, c'est ouf, les amis. C'est carrément ouf. Sérieux, waouh. Ah, super. Je vais en avoir 6. J'espère que je vais pas avoir de double. Ah, ça serait tellement épique d'avoir la Lugia. Waouh, super pioche. Super pioche. Super pioche. Super pioche. Donc, pour l'instant, ça nous en fait 3. Il nous reste 3 boosters, les amis. Et dernier booster, bien mignon. Allez. Ok. Alors j'espère que ça vous fait plaisir les amis. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder cette ouverture. Moi je prends énormément de plaisir bien sûr, comme d'habitude. Je n'arrive pas à ne pas spoil la carte. Voilà, c'est
C'est tendu les amis, c'est tendu parce qu'on voit des deux côtés du coup. Voilà, on n'a rien vu, en tout cas j'ai rien vu. Et là on voit un drac au feu. Ami d'aujourd'hui et d'autrefois. Oh c'est stylé, c'est stylé. Ah oh là 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 là. Que d'émotion, que d'émotion. Ah là là, c'est énorme, c'est énorme. Donc professeur Chen, hello, madame Pavoshko, monsieur Pavoshko. Ok. Bon et méchant, c'est Eliatron qu'on a eu en cristal. Voilà. Scorplane. Ok, je sais plus si on a déjà eu le Scorplane, je sais plus. Seraphos, on l'a déjà eu. Kulbetaka. Pourquoi je dis comme ça, n'importe quoi. Ah là là, ça fait tellement plaisir les amis. Oh mon dieu. Allez, on enchaîne. Est-ce qu'il y a la cristal en dessous? Alors là, c'est le problème de Snubbull. Et attention, attention, attention. Go! Oh! Oh, ça fait la deuxième carte avec Mimigal, mais c'est pas la même! Yes! Yes! Donc c'est Crim Snap, ok! Yes! Super! Super! Donc, on a le problème de Snubbull. Nos héros rencontrent un Snubbull vivant dans un manoir. Mais ce Snubbull ne veut pas être dorloté. Il veut des aventures, désolé pour cette queue miaouss. What the fuck? What the fuck? Oh, c'est stylé. Bonjour Mimigal. Alors qu'on avait déjà une autre carte avec Mimigal. Mimigal, franchement... Oh! Le smiley, il a changé. Lol! Ok. Bonjour Mimigal. Ah, oh, c'est stylé. Ah là là. Bon, les amis, à mon avis, ça va être impossible de choper la Lugia. Moi, bien sûr, je garde espoir avec ma chance les enlers. J'aimerais bien choper des Pokémon stylés. Genre, je sais pas s'il y a un Dracaufeu, mais j'aimerais tellement le choper en cristal, surtout. Voilà. Allez, deux boosters, les amis, on finit avec les hérissants. Désolé pour tout le bruit, les amis, mais bon, j'aimerais bien être installé. Allez. Donc ça, c'est vraiment de l'ouverture un peu old school, les amis. C'est de l'ancien. C'est ce qui fait plaisir. C'est... S'il ramène un peu aux sources. Surtout que XY5 devrait vraiment pas tarder à venir. Donc attendez. On va se la jouer comme ça. Hop là. Voilà. Et du coup, ça sera l'avant-dernière. Ok. Alors, on a déjà eu ça. Ami d'aujourd'hui et d'autres fois. On a déjà eu une petite drac au feu derrière. Professeur Chen, on a déjà eu. Le Hoot Hoot Joa cache-cache. Ok. Oh le con, il se cache et tout, n'importe quoi. Scarino. Oh là là, c'est abusé. Ok. La capture des Quagsire, on a déjà vu ça. Oh, je me rappelle le set Poké. Oh, c'est énorme ça. What what? Oh là 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 là. Waouh. Ok, donc je vous montre la carte de What What. Et oh my god. Girafarig. Et ici, on finit avec l'officier de police Caillou. Non, le jeu de mots. Ok. Donc, Girafarig en cristal. My God. Waouh, elle envoie du lourd. Du très lourd. C'est du très très lourd. Super. Ah ouais, c'est du lourd. C'est du très lourd. Ok, super les amis. Super, super, super. Bon, il nous reste un booster. Hein. Ah là là, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Hop. Hop, 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 pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. Alors, la carte est ici. Hop là. On n'a rien vu. J'adore faire ça sans déconner. Ah là là, bon, le dernier booster, je prends encore un maximum de plaisir, les amis. Donc, Marès, on a déjà eu. Tirage d'une toile contre les voleurs, on l'a déjà eu. Fouinette. Ok, et Fouinette is back. Fouini, Fouini, back. Pourquoi je dis ça? Fouinette, ok, la Fouine, bon, n'importe quoi. Le Fouinette, ouais, ok. L'examen médical. Oh, Sacha. Noirfang. Ah, ça me fait penser à Neo Destiny, ça. Avec le bon booster Noirfang dessus. On n'a pas la cristal encore maintenant. Ok, Noirfang. Le défi de la jambe mignon. Mais alors ça, je m'en rappelle, ça. Elle est peut-être... Allez, pas. Elle est peut-être petite, mais cette jambe mignon ne se laisse pas marcher sans les pieds comme le découvre ce Ratata. Une petite... Pokémon qui plante pleine de promesses. Ah, ici, ici. Et on a la carte derrière. Ok, donc là, c'est quoi? C'est l'infirmière Joy. Ok. Bon et méchant. Donc, les amis, nous allons avoir la cristal da fuck. Elle est là. Ok. Je commence à flipper. Je voyais pas la cristal. Donc, là, j'en ai un Joy. Ok. Bon, j'aurais pas dit ça, mais bon, j'aurais dit autre chose, c'est pas grave. Et donc, les amis, c'est Jachy Léon, j'espère qu'il est stylé.
Oh, il est pas très stylé. Il est pas du tout stylé. Ah, c'est dommage de finir sur cette cristal-là. Ah. Bon, elle est pas mal. Bon, elle est pas mal. Je veux pas me plaindre parce qu'elle est pas mal. Puis le fait d'avoir une carte en cristal, c'est vraiment stylé, hein, je vous le cache pas les amis. C'est super stylé. Donc les amis, bah, écoutez, un petit récap, on va juste se montrer les cartes brillantes. C'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Vraiment stylé. On n'a pas eu de double. C'était de magnifiques boosters. Et je remercie une nouvelle fois 4444. Merci Lago. Vous pouvez aller voir sa chaîne dans la description. Franchement, waouh, c'est quelqu'un qui a des énormes boosters Pokémon de collection. Et qui avait ça. Du coup, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc, alors, on a eu un petit out-out. Stiley. Donc on a eu alias Jackie Leon, Jackie Chan, tout ce que vous voulez. Ok. Girafarig. Donc du même, dans le même style que le Hoot Hoot. Stylé aussi. On a eu Bonjour Mimigan. Donc cette carte elle est assez trippante quand même. Tu vois la goutte là. Et tu vois, ah, ça c'est une barre. Le smiley, là, le mauvais smiley. Ah, il est pas content. Hein, il est pas content le petit. Hein. Ah c'est des barres. Ah sans déconner, on a un autre. Donc tissage d'une toile contre les voleurs. Vas-y Mimigan, sauve-nous. Et on a eu Eliatron. Eliatron les amis. Donc. J'espère vraiment que cette ouverture vous aura plu les amis. Moi franchement j'ai encore pris beaucoup de plaisir. C'est pas autant que les Team Aqua Magma, mais ça rappelle de bons souvenirs. Moi je vais tout lire en dehors là. Dès que je vais éteindre la caméra, je vais me lire mes petites cartes en dehors qui sont ici. N'hésitez pas à me laisser un pouce les amis, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas que c'était quand même des boosters ultra rares. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre carte préférée, votre booster préféré, si vous avez des cartes comme ça chez vous. N'hésitez pas franchement à me le dire. Et puis bah écoutez les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis. À demain pour un épisode du Let's Play et en attendant les amis, portez-vous bien. Allez, bye bye! Mimigo! Mon Dieu. Allez les amis, allez, bye bye, bye bye.